Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo belle au naturel. Alors aujourd'hui avec Maria Carré, on est toutes maladoues. Et oui, alors Maria Carré, elle a 39 de fièvre depuis 2 jours parce qu'elle est en train de me sortir les 2 molaires d'en bas. On en avait bien besoin avec Maria Carré de cette petite box belle au naturel de juillet. Le thème de ce mois de juillet est bonheur ensoleillado. On va commencer par grand concours de coloriage de l'été du 1er juillet au 15 août. Détails sur le site belleonaturel.fr et nous avons des petits crayons. Alors ça, c'est clairement pour mon petit assistant. Nous avons un petit vernis de la marque, alors c'est pas marqué mais je crois que c'est Boho, hein, les trucs comme ça là. Petit Boho Green. Voilà, et la couleur, c'est Melody. Alors, moi, je ne me mets du vernis que sur les pieds. Donc là, j'ai un petit rose pâle bien opaque. Sur les mains, j'en mets pas parce que je crains toutes les odeurs. Même les vernis bio. Celui-ci, je l'ai dans une autre couleur de la marque Boho. Et je crains l'odeur sur mes mains. Mais sur mes pieds, c'est très bien. Et puis, la couleur, elle est très jolie. Donc, bah, cool. J'ai une tronche. I'm sorry. Mais je sais pas pourquoi je m'excuse à chaque fois maintenant, c'est ma tête. Voilà. Alors ensuite, je vois un truc dans du papier bulle et ça m'intrigue. Donc, oui ma puce, c'est quoi? Regarde, on va ouvrir. Nous avons de l'huile d'argan, carotte et roucou bio. Alors de l'huile de carotte, ça fait un petit teint hâlé. Moi, vous savez que là, en fait, je suis à la recherche... Je fais attention parce que tu sais, depuis la mésaventure où je sens des trucs sur mes pieds, là j'ai ça qui vient de me tomber sur le pied, donc voilà, hein, tu vois, je fais gaffe que ce soit pas une araignée. Je suis à la recherche de gélules de carottes parce que bah, t'as rien sur la peau, tu vois, qui pègue ou qui machin. Mais ça peut être pas mal, hein. D'autant plus que je n'ai plus de... Tu sais, j'ai repris ma Cellucup Up et j'ai bientôt plus d'huile d'argan. Du coup, bah c'est cool. Donc, visage et corps. Ensuite, nous avons de la marque Studio 78 Paris. On scintille with Sparkle comme un diamant, poudre illuminatrice pour une brillance légère et dorée. Ça, quand t'es bronzé et tout, c'est vrai que j'avoue, tu t'en mets un peu là le soir, un petit peu sur les épaules et tout. Ça fait super joli. Donc, il y a un miroir à l'intérieur. Et la poudre comme ceci qui scintille. Ou c'est le carton? Non, c'est la poudre. Voilà. Une petite poudre illuminatrice. Ah ouais! Ah ouais, sympa! Sympa! Bah écoute, highlighter comme un diamant. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien froide. Elle est bien froide la couleur du. Un highlighter. C'est éthénal, c'est dans le thème. Éthénal. Ensuite, nous avons une lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise. Alors, le vinaigre de framboise, c'est connu pour la brillance que ça apporte aux cheveux. Si tu veux que tes cheveux brillent, après, tu peux les rincer soit avec du jus de citron, soit avec du vinaigre de framboise. Et voilà, tes cheveux sont en totale brillance, j'ai envie de te dire. Voilà, bah brillance et légèreté. Hein. Je t'ai pas menti, c'est Centifolia qui le dit. Centifolia, en plus, c'est une marque qui est assez géniale. Hein. Franchement, j'ai testé pas mal de produits de cette marque et c'est assez cool. Donc, c'est Made in France. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 20% du total des ingrédients sont d'origine bio. Et ça sent la framboise. C'est très bien, hein. Eh ben écoute, ça pour si t'as les cheveux super longs, machin, que tu trouves un peu terne, c'est ton allié pour l'été. Lotion bio démêlante sans rinçage de Centifolia qui coûte 7,95€ les 200 ml. L'huile Bonne Mine éteint à lait bio de Nabalsi qui coûte 27€ les 40 ml. Voilà, donc ils disent que tu peux le mettre sur ton corps pour entretenir ton bronzage quand tu es bronzé, mais tu peux le mettre aussi avant pour que ton bronzage quand il arrive, donc il dure plus longtemps, et en même temps quand tu le mets, ça fait un effet hâlé.
La poudre illuminatrice qui coûte 30 euros, s'il vous plaît. Franchement, truc de ouf. Hein. Bon, après, voilà, c'est un highlighter. Hein, ils expliquent là dans le truc où est-ce que tu peux le mettre. Mais tu peux le mettre là, tu peux le mettre là, tu peux le mettre là, ici, sur les épaules. Enfin, voilà, tu le mets où tu veux. Hein, si tu veux te le mettre dans les cheveux, tu te le mets dans les cheveux. Et nous avons donc le vernis naturel Rose Melody de Boho Green Makeup qui coûte 6 euros. C'est un vernis, donc la composition c'est coton, pomme de terre, maïs, manioc, blé. Bon, il n'y a pas que ça, hein, sinon je ne craindrais pas sur mes mains. Une fois dans une de mes vidéos, j'avais dit toutes les merdes qu'il y a dans le vernis. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai su toutes ces compositions et tout ce que ça pouvait entraîner, je peux te dire que du vernis qui n'est pas bio, je ne le mets plus du tout sur mes ongles. Donc pour le concours de coloriage, je suppose que c'est avec la boîte. Nous, avec mon petit assistant, on s'éclate à les colorier à chaque fois, tu vois. C'est anti-stress, j'adore. Donc peut-être que c'est avec ça. Donc je vous laisserai aller sur leur site pour voir ce qu'il en est. Écoute, une box encore bien remplie. Hein. On en a pour 70-72 euros à l'intérieur. Voilà, je pense que la box est carrément rentable. Il y a pas mal de basiques et d'essentiels. L'huile pour le corps, tu peux t'en servir pour plein de trucs. Le démêlant pour cheveux bio. Bon, bah voilà, il y a plein de filles qui ont des cheveux longs, qui ont besoin d'un démêlant. Voilà, ça c'est génial. Un petit vernis, t'as toujours besoin d'un petit vernis. Et en ce moment, l'highlighter, bon bah il y a 95% des nanas qui se mettent de l'highlighter. Je fais partie des 5% qui sortent en mougli, tu vois, dehors. Mais voilà, tu vois, ça touche pas mal de personnes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse. Moi, je vais aller couper la pastèque pour le goûter de mes petits assistants et le mien. Et je vous dis bah, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très joli mois de juillet. Voilà, bisous.